Votre présence dans ces lieux démontre l'amour. Et la Bible me dit, si nous pouvons avoir tout, parler les langues des anges, parler en langue, mais si nous n'avons pas l'amour, nous sommes rien devant l'Éternel. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a démontré aussi l'amour envers nous. Et si lui n'avait pas démontré son amour envers nous, nous, moi non plus, je ne devais pas connaître Jésus-Christ, je ne devais ni prier Jésus-Christ. Mais c'est par l'amour de Dieu, c'est par son amour qu'il a démontré à travers nous, moi aussi, nous connaissons Jésus-Christ. Alléluia. Et ces pensées que je voulais partager, il y avait une discute. Parce qu'aujourd'hui, si je vais marcher avec quelqu'un, tout le monde va regarder, il marche avec qui, il parle avec qui, et pourquoi lui, est-ce que lui doit parler avec telle ou telle personne. Mais lorsque Jésus était venu ici-bas, il ne regardait pas des gens, des catégories de personnes. Il mangeait et il buvait avec tout le monde. Sans regarder des personnes, des qualités des personnes. Et moi qui est pasteur, si je marche avec quelqu'un, un frère qui est païen, on va me dire, on va me juger, on dit que pourquoi vous marchez avec cet homme qui est païen. Mais Jésus ne regardait pas cet aspect-là. Il aimait tout le monde. C'est pour cela que la Bible me dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu d'abord est amour. Et par son amour, il nous a offert son enfant le plus précieux, afin qu'il vienne ici-bas, subir l'humiliation, qu'on puisse cracher sur lui, pour que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Et quand je parle de ces pensées, parce que Jésus a dit un mot, une parole, cela est mentionné dans Luc chapitre 5, le verset 32. Jésus a dit un mot. Parce qu'il y avait la confusion, il y avait des critiques, des gens critiquaient Jésus-Christ. Jésus a dit un mot. Lisez la Bible. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Quelqu'un peut dire amen. Amen. Jésus a répondu parce que la réaction était forte. Pendant ce temps, Jésus était avec des scribes et des pharisiens. Ils mangeaient ensemble, ils buvaient ensemble. Mais les gens sont venus en disant, cet homme s'est dit, il déclare qu'il est le Fils de Dieu. Comment cet homme peut rester avec des gens mauvais, méchants? Rester avec eux, manger et dîner avec ces gens-là. Et la réponse de Jésus, Jésus a dit, une personne en bonne santé n'a pas besoin d'un médecin. Une personne qui est en pleine forme, qu'est-ce que j'irai faire chez un médecin? Il y a des fois, on paye des mutuelles, mais lorsque notre santé va bien, je n'ai pas besoin d'aller voir le médecin. Il y a des fois, on est à 100%, mais lorsque ta santé va bien, qu'est-ce que tu iras faire chez un médecin? Et Jésus a dit, une personne en bonne santé n'a pas besoin d'un médecin. Mais lui, il est venu, non pas pour sauver des justes, mais pour sauver des pécheurs. Alléluia. Vous savez, pour devenir juste, il faut quitter des péchés et devenir enfant de Dieu. Personne, aucun être, ne peut directement devenir juste sans pour autant entrer dans la repentance. Jésus est venu en disant, je ne suis pas venu sauver les justes. Si quelqu'un est déjà juste dans ses liens, n'a pas besoin d'être sauvé. Mais un pécheur, une personne qui est malade, qui se pose des questions, quand est-ce que ma vie peut changer? Quand est-ce que je peux connaître Jésus? Jésus viendra marcher avec toi, manger avec toi, malgré toutes les critiques que les hommes peuvent critiquer. Alléluia. Vous devez se rendre compte, Jésus était plus critiqué parce que Jésus a même accepté l'offrande d'une femme prostituée. C'était une sale réputation à l'époque, en l'Ancien Testament. Un homme de Dieu qui dit qu'il vient de Dieu accepter la présence d'une femme prostituée. Je te dis, peu importe ta croyance, peu importe tes convictions, Jésus est venu pour des gens qui ont des problèmes. Jésus est venu pour des gens qui ont des maladies. C'est pour cela, ce soir, laisse-moi te dire, il est venu pour les pécheurs.
C'est ce qui a fait que nous, les nations païennes, nous qui n'avons pas l'autorité, l'accès à la vie éternelle, que nous puissions avoir l'accès à la vie éternelle. Alléluia. Vous allez se rendre compte, à une certaine période, nous qui étions nés dans des pays africains, parler de Dieu était réservé à certaines personnes, aux missionnaires. Je ne sais pas si quelqu'un a vécu cette période-là. Il n'y avait que des missionnaires qui pouvaient parler. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu peut changer la vie d'un méchant en fait de devenir un enfant de Dieu. Si nous sommes Barnabas ce soir, Jésus ne veut pas, n'accepte pas la mort d'un Barnabas. Mais il veut prendre la place d'un Barnabas. Si nous sommes malades, Jésus est devenu malade, malédiction, afin que nous ayons la guérison. C'est pour cela qu'il a dit, « En mon nom, vous serez guéris. » Il a permis de prendre notre place. La Bible dit, il est devenu malédiction. Pour que nous ayons la vie éternelle. L'Église, j'aime toujours dire que l'Église, ce n'est pas un lieu de condamnation. Mais c'est l'Église, c'est un lieu de prise de conscience. Aujourd'hui, ce qui nous a amené ici, ça doit nous enseigner que nous aussi, nous n'avons pas droit. Si des personnes saintes viennent nous trouver ici dans cet endroit, on dira, toi tu n'as pas droit d'entrer, toi tu n'as pas droit, mais nous sommes malades, nous avons besoin d'un médecin. Mais ce soir, j'aimerais apprendre à un enfant de Dieu, le véritable médecin par excellence qui peut changer le cours de votre vie, c'est Jésus.